وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Après avoir entamé ce chapitre de la manière de faire les ablutions, intitulé comme tel dans le livre, chapitre de la manière et la modalité des ablutions. Nous avions parlé et nous avions dit que les ablutions sont basées sur 6 piliers. Le premier d'entre eux, le lavage du visage. Le premier pilier. D'ailleurs, lorsque l'on parle de pilier, il faut bien comprendre que si ce pilier n'est pas respecté, les ablutions sont invalides. D'accord ? Au même titre que les piliers de la prière, par exemple. Le lavage du visage. Puis le deuxième pilier, les mains jusqu'au coude. Et lorsque l'on dit jusqu'au coude, ceci signifie avec les coudes. C'est-à-dire que l'on doit monter au-dessus du coude dans le lavage pour être sûr que les coudes soient intégrés et touchés par l'eau. Troisième pilier, l'essuyage de la tête. Donc ici, nous ne parlons plus d'un lavage, mais d'un essuyage. Et nous avions vu la différence qu'il y a entre un lavage et un essuyage. L'essuyage est une purification légère qui a été rendue comme telle par Allah tabaraka wa ta'ala. On demande seulement de mouiller les mains et de passer sur le membre concerné. L'essuyage de la tête. Nous étions arrêtés ici jusqu'à la parole de l'auteur lorsqu'il dit, puis il introduit ses deux index dans l'orifice de ses oreilles, de ses deux oreilles, puis il essuie avec ses pouces l'extérieur des oreilles. C'est la façon de procéder à l'essuyage des oreilles, et nous avions dit que les oreilles sont comme la tête. Comme l'a dit le prophète, les oreilles font partie de la tête, donc elles doivent être essuyées au même titre que la tête. Ensuite, il dit, puis il lave ses deux pieds avec les chevilles trois fois chacun. Le lavage des pieds, c'est le quatrième pilier des ablutions. Il a été prouvé par le livre d'Allah, par la sunna du prophète et par le consensus, ijma. La preuve dans le Coran, c'est le verset coranique qui nous suit depuis le début de ce chapitre, le verset numéro 6 de la sourate numéro 5. Allah dit tabaraka wa ta'ala, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, puis vos mains avec les coudes, puis essuyez-vous la tête et vos pieds avec les chevilles. Ici, et vos pieds, comprenez bien, et lavez-vous les pieds avec vos chevilles. Alors, c'est une preuve qui est claire. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les hadiths qui ont été rapportés concernant la description des ablutions, a lavé ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière précise, comme on va le voir. Et aussi, bien sûr, il y a le consensus des savants. Ibn al-Mundhir a rapporté ce consensus. Et d'ailleurs, Ibn al-Mundhir, quand il rapporte un ijmar, il se trompe que très rarement. Des fois, vous pouvez trouver des savants qui rapportent ijmar, mais ils se trompent. L'imam al-Nawawi, par exemple, il rapporte ijmar, mais en fait, il y a un khilaf, il y a une divergence sur la question. Ibn al-Mundhir, c'est très très rare qu'il se trompe. Déjà, il est plus ancien que l'imam al-Nawawi. Et en plus de ça, il rapporte que des ijmar qui sont reconnus comme tels. Il prend beaucoup de précautions. À la kulihal. Le lavage des pieds trois fois. Alors le pied, bien sûr, on ne va pas définir ce que c'est le pied. Vous savez tous ce que c'est un pied. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il faut laver aussi la cheville. Qu'est-ce que la cheville ?
la cheville dont il nous est demandé de laver avec le pied, c'est cet os protubérant qu'on appelle la malléole. Voilà. C'est la malléole. Ça, c'est la limite de la cheville. Donc, elle doit être intégrée dans le lavage. Donc, toute personne qui s'en tient à laver ses pieds juste en dessous de cette malléole, ses ablutions ne seront pas complètes. Et par conséquent, il n'a pas le droit de prier. Non. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quelque chose de très important. Il dit, malheur aux talons. Malheur, je vous traduis comme ça et je vais vous expliquer ce hadith. Malheur aux talons par le feu de l'enfer. Cette parole du prophète signifie malheur à toute personne qui néglige le lavage des talons. Non, malheur à toute personne qui néglige le lavage des talons, car il sera touché par le feu de l'enfer. Ce hadith a été rapporté dans les deux sahih, d'après la version de Aïcha, Abu Huraira et Abdullah ibn Amr al-As. Que signifie ceci? Tout simplement, les savants expliquent que la purification est une condition de la prière, n'est-ce pas? Et les manquements dans cette purification sont des manquements en fait dans la prière, ni plus ni moins. C'est un lien de cause à effet, comme on dit. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre toute personne qui ferait ses ablutions de manière négligée, avec laxisme, avec suffisance. Et il nous met en garde et en même temps, il nous pousse à faire attention à tous ces endroits dans le corps dont on ne prête pas attention. Par exemple, lorsqu'on nettoie ses mains jusqu'au coude, il ne faut pas oublier l'entre-doigt. L'entre-doigt doit être lavé aussi. Donc ici, ce hadith-là, il le reprend sur tous les endroits du corps où la personne n'attache pas d'importance. Lorsque la personne fait le ghusl, vous savez que l'eau doit toucher tout le corps, notamment le nombril. Le nombril, on doit faire rentrer l'eau dedans pour être sûr que l'eau a atteint tout le corps. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Hein? Et ils font des prières comme ça, pendant des années, ils prient comme ça. Allah al-Musta'an. Alors, le prophète nous demande d'attacher une grande importance et d'ailleurs de parfaire ses ablutions du mieux que l'on peut. Nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, lorsque nous parlerons du d'essuyage sur les chaussures, nous terminerons ce cours par justement le bienfait des ablutions et où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enjoint à faire les ablutions correctement afin de gagner les récompenses qui en découlent. L'auteur du livre dit juste après, il dit ceci sur les ablutions de la manière la plus parfaite. Et tout ce qu'il a décrit depuis le début sur la manière de faire les ablutions la plus parfaite que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on comprend à travers la parole de l'auteur qu'il a décrit ici des choses qui étaient obligatoires et des choses qui étaient recommandées. Les choses obligatoires, c'est les six piliers que j'ai cité, on en a cité que 4 pour l'instant, en les lavant une fois chacun, c'est le minimum, à condition que ce soit bien fait bien sûr. Si on rajoute 2 fois, 3 fois, alors dans ce cas-là on rentre dans ce qu'on appelle le recommandé, l'istihbab, et dans ce cas-là on vient rajouter de la récompense. Donc ici voilà la façon la plus parfaite de faire les ablutions. Je voulais vous citer les deux hadiths qui sont dans les deux sahihs et qui reprennent les ablutions intégrales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est le hadith de Humran, l'esclave ou l'affranchi de Uthman ibn Affan, qui a dit, j'ai vu Uthman demander un récipient d'eau. Puis, lorsqu'il a demandé ce récipient d'eau, il l'a versé, il l'a fait couler sur ses mains. Puis, il a lavé ses mains 3 fois. Ça, on en avait parlé la semaine dernière, c'est la légitimité de laver ses mains avant de les rentrer dans le récipient pour éviter toute souillure de l'eau. Puis, il a rentré sa main droite dans le récipient, fil wado. Puis, il a fait ce qu'on appelle le madmada. On a vu ça la semaine dernière, c'est le fait de faire tourner l'eau dans la bouche jusqu'à de derrière les molaires. C'est un rinçage de la bouche, ni plus ni moins. Puis il a fait l'istinchaq, l'inspiration,
de l'eau par le nez, ou al-istinthar, l'expiration de l'eau par le nez. Puis il a lavé son visage 3 fois. Puis il a lavé ses mains jusqu'au coude 3 fois. Puis il a essuyé sa tête. Puis il a lavé ses deux pieds 3 fois. Puis il a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions comme celle-ci, comme celle que je viens de faire. Puis je l'ai entendu dire sallallahu alayhi wa sallam: celui qui fera les ablutions comme ceci, puis qu'il priera 2 unités de prière sans qu'il ne soit déconcentré par quoi que ce soit, alors tous ses péchés lui seront pardonnés. Allah. Ça, c'est le hadith de Humran Maula Othman que vous trouvez dans le Sahih Bukhari wa Muslim. On a le deuxième hadith avec quelques variantes. Le hadith de Amr ibn Yahya al-Mazili, d'après son père, qui a dit que j'ai été témoin que Amr ibn Abi al-Hassan a demandé à Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd, c'est le Sahabi. Il a demandé à Abdullah ibn Zayd comment étaient les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Fada'a bitawr. Il a demandé un grand récipient. Puis, il aura fait les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Il a versé de l'eau sur ses mains. Il a fait exactement la même chose que Othman. Il a versé le récipient de l'eau sur ses mains afin d'être sûr que ses mains soient pures et propres avant de les rentrer dans le récipient. Puis il a lavé ses mains 3 fois. Puis il a rentré ses mains dans le récipient. Puis il a fait le mahmada, istinshaq, istinthar, rinçage de la bouche, inspiration de l'eau par le nez, expiration. 3 fois à 3 reprises. Chose qu'il n'y a pas dans le premier hadith. On avait expliqué ça la semaine dernière, rappelez-vous. Ce qui nous prouve bien que pour chaque mahmada, on prend une bouchée et en même temps, on aspire. Ça fait une gharfa. Une deuxième, une troisième de la sorte. Puis, il a rentré sa main dans le récipient et il a lavé son visage 3 fois. Puis, il a rentré sa main et il a lavé ses 2 mains jusqu'au coude 2 fois. Alors que dans le hadith, dans le premier hadith, 3 fois. Puis, il a rentré sa main dans le récipient et il l'a ressorti et il a essuyé sa tête. Il a commencé de devant en allant derrière une seule fois, comme c'était le hadith. Puis il a lavé ses 2 pieds, sans citer combien de fois. Dans une autre version, il a commencé par le début de sa tête, jusqu'à ce qu'il aille jusqu'à sa nuque, puis il est revenu à l'endroit où il avait commencé. Exactement comme ça. Et dans une autre version, le prophète nous est venu, sallallahu alayhi wa sallam, et nous lui avons sorti de l'eau dans un récipient fait de cuivre. Donc, dans ces 2 hadiths, il y a plusieurs choses. Il y a, premièrement, les ablutions complètes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète ne s'en tenait pas une seule fois, sauf pour l'essuyage de la tête. Mais sinon, il était entre 2 fois et 3 fois. Deuxième chose très importante à signaler dans ces 2 hadiths, c'est qu'elles sont toutes, enfin, tous les actes du prophète sont dans le même ordre. Il n'a pas interverti l'ordre. Ce qui prouve que l'ordre, comme on va le voir, est une obligation et un des piliers des ablutions. Concernant maintenant les différences qu'il y a. Dans le premier hadith, j'avais dit que Humran a cité le lavage des mains jusqu'au coude 3 fois, alors que Abdullah ibn Zayd, il a lavé ses mains jusqu'au coude 2 fois seulement. Ensuite, ici, dans le hadith de Humran, il a essuyé sur sa tête, sans désigner un nombre particulier, alors que dans le deuxième hadith, il a essuyé sa tête 1 fois. Aussi, ici, il a lavé ses jambes, ou ses pieds plutôt, 3 fois, alors que dans le deuxième hadith, il est seulement mentionné qu'il a lavé ses pieds. Et la quatrième différence, c'est que dans le hadith de Humran, Maula Othman, il n'y a pas de précision sur le madmada ou l'istinshaq. Alors que dans le hadith de Abdullah ibn Zayd, il dit que ça se fait en 3 poignées de main ou 3 harafat. Voilà les ablutions complètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 2 hadiths-là sont 2 hadiths référents dans ce domaine, dans ce chapitre. Le 5e pilier, c'est l'ordre. L'ordre des lavages.
l'ordre comme il a été énoncé dans le verset coranique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a appliqué ce verset coranique, il a toujours fait l'ordre qui était celui du verset. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour expliquer et mettre en valeur le Coran. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu éclaircisses aux gens ce qui leur a été révélé. Donc un acte du prophète vient expliquer le Coran. Voilà pourquoi, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement, Inch'Allah. Voilà pourquoi il est strictement interdit de prendre la religion uniquement du Coran en délaissant la Sunna. On est sûr de s'égarer. Sûr et certain. Dans tous les domaines. Dans la prière, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne les cinq prières. Aqimis salat alidouluki shams ila ghasaqil layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Allah nous dit, accomplis la prière dès le déclin du soleil jusqu'à la pénombre de la nuit et le Coran du Fajr, c'était la prière du Fajr. Ça c'est dans le Coran. On n'a pas plus de précision que ça dans Al-Awqad, dans les temps de la prière. Où on prend alors les temps de la prière, si ce n'est dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la Sunna elle vient expliquer le Coran. Et ça c'est une réfutation pour tous ceux qui disent, pour prendre ma religion je regarde dans le Coran. Et si je ne trouve pas dans le Coran, alors à ce moment-là, je reviens à la Sunna. Et certains même disent, la Sunna, on n'en tient pas compte. On ne prend que du Coran. C'est une secte qui existe jusqu'à notre époque. On les appelle Al-Quraniyoun. Je referme la parenthèse. On est obligé d'avoir la Sunna pour expliquer le Coran. Sans les actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'aurait pas pu comprendre le verset coranique correctement. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appliqué le verset coranique et a toujours fait les ablutions dans cet ordre-là. Dans l'ordre qui est celui du verset coranique. Aussi, ce qui vient montrer que l'ordre est obligatoire, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala a cité un essuyage entre deux lavages. Lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc ici on parle d'un lavage et d'un lavage. Et essuyez vos têtes. Et là on parle d'un essuyage. Puis ensuite, on reparle d'un lavage et lavez vos pieds avec les chevilles. Alors, vous savez tous que le Coran, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui est plus éloquent qu'Allah dans ses propos? Le Coran, c'est l'éloquence de la langue arabe. D'ailleurs, Allah a défié les plus grands arabes à leur époque. Et aucun n'a pu relever le défi de produire un Coran identique. Donc le Coran, il est fasih. La langue arabe fasiha, éloquente, exige et impose que lorsqu'on a des choses semblables, elles soient citées ensemble. Sauf si il y a un intérêt ou une chose que l'on veut mettre en valeur. Donc ici, normalement, si l'ordre n'était pas obligatoire, s'il n'y avait pas intérêt à montrer que l'ordre est obligatoire, Allah tabaraka wa ta'ala aurait cité les trois lavages ensemble, puis aurait cité l'essuyage juste après. Ça, c'est ce qu'implique et ce qu'impose la langue arabe. Or, le fait que l'essuyage soit entre le lavage, ici en l'occurrence le lavage des mains jusqu'au coude et des pieds jusqu'aux chevilles, il se trouve entre deux lavages, ceci c'est pour montrer quelque chose. L'ifa'ida. C'est pour montrer une fa'ida. Et cette faïda, c'est quoi? C'est l'ordre dans le lavage des membres. Ça, c'est ce que disent les Arabes. Et l'imam al-Nawawi a une parole qui va dans ce sens. Aussi, lorsque l'on dit وَمْسَحُوا بِرْؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, c'est un terme qui est mansoub, c'est-à-dire il prendra la fatha à la fin, pour simplifier. Donc, il y a une lecture du Coran parmi les 10 lectures authentiques qui dit wa arju likum avec la kasra. Et le sens est tout à fait différent. Si je dis wa arju lakum, ça veut dire le lavage des deux pieds. Si je dis arju likum, c'est l'essuyage des deux pieds. On reviendra à ça la semaine prochaine, Inch'Allah, lorsqu'on fera l'essuyage sur les chaussures. Mais tout ça pour vous dire que ce terme-là, wa'arjulikum, c'est un terme qu'on appelle dans la grammaire arabe, martouf. Il est martouf.
il est coordonné à ce qu'il vient avant. Donc si ce qu'il y a avant c'est mansoub, il sera mansoub. Si ce qui est avant est majrour, il sera majrour. Or, le terme ici, wa arjulakum, il est mansoub. Et ce qu'il y avait avant lui mansoub, c'était des lavages. Donc, on parlera d'un lavage du pied. Alors que dans la lecture où le terme est majrour arjulikum, ce qu'il y avait avant de majrour, c'était l'essuyage. Biru'usikum. Donc, ça sera l'essuyage des pieds. Donc, cette lecture-là, qui est authentique, elle nous montre la légitimité de l'essuyage sur les pieds. Et les autres lectures, elles nous montrent la légitimité du lavage des pieds. À la Kulihal, ce qui est important à comprendre ici, c'est qu'Allah a cité un essuyage entre deux lavages. Ce qui prouve qu'Allah, tabarak wa ta, a voulu mettre en valeur l'ordre. L'ordre dans le lavage des membres. Aussi, Cheikhoun al-Albani a authentifié un hadith dans Sunan Abi Daoud. Où Jabir ibn Abdillah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à faire un des rites du pèlerinage, qu'on appelle As-Sa'yu, la course entre Safa ou Al-Marwa. Il s'est approché de Safa et il a dit, il a récité le verset coranique suivant. Inna Safa wa Al-Marwa ta min sha'airillah. Safa et Marwa font partie des rites du pèlerinage, du Hajj. Il a dit, je commence par ce par quoi Allah a commencé. Donc Allah a commencé dans le verset par Safa, donc il a commencé par Safa. Alors beaucoup de savants disent, il en est de même pour les ablutions. Allah a commencé par le visage, donc nous commençons par le visage. Puis il a cité ensuite les mains jusqu'au coude, et nous faisons les mains jusqu'au coude. Une dernière remarque concernant le tertib. Il est permis, lors du lavage d'un membre, de commencer par le gauche avant le droit. Il est permis. Et il y a une parole de l'imam Ahmed aussi qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je lave mes mains jusqu'au coude, je peux commencer par la gauche avant la droite. Mais ce qu'il y a de préférable, de mieux, c'est que la personne commence par la droite au regard de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole de Aïchata qui a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète aimait commencer par la droite dans toute chose, en se chaussant, en se peignant, en se purifiant et dans toute chose. Donc en se purifiant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par la droite. Mais commencer par la gauche, il n'y a aucun mal et ce n'est pas contrevenir à l'ordre. Pourquoi? Car on a respecté l'ordre du verset coranique. Si je lave mes mains, la main gauche ou la main droite, entre le lavage du visage et l'essuyage de la tête, j'ai respecté l'ordre stipulé dans le verset coranique. Je n'ai pas contrevenu à l'ordre. Non mais quoi? Certains savants voient que l'ordre n'est pas obligatoire, s'appuyant sur ceci par des hadiths dont la plupart des savants reconnaissent que ces hadiths sont faibles, mais Cheikhoun al-Albani les a authentifiés. Et c'est sur ces hadiths-là qu'il s'appuie justement pour dire que l'ordre n'est pas obligatoire. Le hadith de Ma'li Yakriba, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions, il a lavé son visage, puis ses mains jusqu'au coude, puis il a fait le madmada. Alors nous savons tous que le madmada fait partie du visage. Soit nous disons que l'ordre n'est pas obligatoire, si le hadith est authentique, soit nous disons que l'ordre n'est pas obligatoire, soit nous disons que le madmada ou l'istinchar ne fait pas partie du visage. Soit nous disons que le madmada ou l'istinchar ne sont pas obligatoires. C'est une de ces trois choses-là. À la Kulihal, Cheikhoun al-Albani voit, au regard de ces hadiths-là, et un autre hadith aussi, qui va dans ce sens-là, il voit que l'ordre dans les ablutions n'est pas obligatoire, puisque le prophète a interverti l'ordre, tout en sachant que Cheikh Albani considère que le madmada fait partie du visage. Non? Mais puisque le prophète a interverti l'ordre, donc il en est arrivé à la conclusion que l'ordre n'est pas obligatoire. Malgré ceci, il dit qu'il est préférable qu'il respecte l'ordre stipulé dans le verset. Il voit que c'est moustahab qu'il respecte l'ordre. Naam. Donc, barakallahu fikoum, pour sortir de la divergence, qu'est-ce qu'on fait? On fait des ablutions selon l'ordre qui est stipulé dans les versets et sur lequel était d'une manière générale le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième pilier, c'est le pilier de la continuité
dans le lavage des membres, la continuité, al-muwalatu. C'est-à-dire le fait de faire suivre le lavage d'un membre après l'autre, directement, sans interruption, reconnu comme tel. On va y venir, Inch'Allah. Les savants donnent le critère d'une manière générale pour savoir s'il y a une discontinuité dans le lavage, c'est que le membre a eu le temps de sécher, le membre précédent a eu le temps de sécher avant que tu entreprennes le lavage du suivant. Alors, ça c'est la parole de l'imam Ahmed ou l'imam Shafi'i, de beaucoup de savants. Et aussi c'est la parole de l'imam Malik qui voit aussi que cette continuité est un pilier dans les ablutions et elle est obligatoire. Par contre, Cheikh l'Islam et l'imam Malik, ou l'imam Malik ou Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, disent que celui qui interrompt ses ablutions volontairement, celui-là, ses ablutions sont invalides, de manière volontaire. Alors que celui qui les interrompt involontairement, c'est-à-dire qu'il a été forcé de les interrompre, alors il reprend d'où il s'est arrêté, il continue ses ablutions. Les autres savants du manière générale disent que dès lors que le membre a séché, le membre précédent a eu le temps de sécher, alors c'est considéré comme une discontinuité ou une interruption et ceci invalide les ablutions. Non ? Il est obligé de les recommencer depuis le début. La preuve de ceci, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim d'après la version de Omar, radiallahu tabarak wa ta'ala, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme faire ses ablutions et il a laissé sur ses pieds un espace de la taille d'un ongle qui n'a pas été touché par l'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: repars et va refaire tes ablutions correctement. Donc le prophète ne lui a pas dit sallallahu alayhi wa sallam: va juste nettoyer ton pied. Non. Il lui a dit: va refaire tes ablutions en entier. Ce qui prouve bien que ceci a eu le temps de sécher. Donc, il y a une discontinuité, donc il est obligé de recommencer les ablutions. Aussi, Khalid ibn Ma'dan, Allah tabaraka wa ta'ala alayhi, a rapporté de certains compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a vu un homme qui priait et il avait sur le dessus de ses pieds la taille d'un dirham qui n'avait pas été touché par l'eau. Alors il lui a ordonné de recommencer les ablutions et la prière. De recommencer les ablutions et la prière. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullah et tabarak wa ta'ala al-jami'. À la kulli hal, il est interdit, barakallahu fikoum, de faire ses ablutions de manière discontinue. D'ailleurs, ceci est valable pour tous les actes dont la continuité est conditionnée. Comme le dit ici Cheikh Sa'di, « وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا اشْتُرِتَتْ لَهُ الْمُوَالَةِ » Il en est de même pour tous les actes dont la continuité est conditionnée. Comme par exemple, « الْأَذَنْ وَالْإِقَامَ » Ou aussi, comme par exemple, « la prière » ou comme par exemple, celui qui doit jeûner 2 mois consécutifs. Il y a une kafara qui doit jeûner 2 mois consécutifs. Par exemple, celui qui a eu un rapport pendant le mois de Ramadan. Volontairement. Il va réparer son jeûne avec 2 mois de jeûne consécutifs. Non. Donc, à chaque fois que la continuité est conditionnée, alors, si il y a un manquement par rapport à ceci, il devra recommencer depuis le début. Alors, Al-Hafid Al-Hakami dit, en conclusion, ou plutôt pour résumer ce chapitre, il dit: il exprime avec son cœur son intention pour la prière. Donc ça, on avait vu ça, rappelez-vous les frères. Innam al-a'mal bin niyya. La niyya de celui qui fait les ablutions, c'est soit il a l'intention d'enlever cet état d'impureté rituelle, soit il fait ses ablutions ou ses actes-là pour la prière. Il faut qu'il ait une intention dans ce genre-là. Hein. Car les actes ne valent que par les intentions. Avec l'eau d'eau est institué le siwak. Le siwak, on n'en a pas parlé, mais c'est une bonne occasion pour en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Khuzaymah
Et d'autres, et authentifié par Cheikh Al-Albani, le prophète a dit à cette femme, Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Si ce n'était pas la crainte d'alourdir à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak avant chaque ablution ou après chaque ablution. Ici c'est ma'a dans le sens avec chaque ablution. Mais on voit bien que le prophète ne l'a pas rendu obligatoire, car justement il n'a pas voulu alourdir à sa communauté. À la Kulihal, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est recommandé. Donc c'est de ça dont parle Cheikh Al-Hafid Al-Hakami rahmatullah et tabaraka wa ta'ala. Avec lui, avec les ablutions, est institué le siwak. Puis lave tes deux mains jusqu'au poignet. Thumma basmil. At-tabasmul, le fait de dire bismillah. Dès que tu te réveilles, il est certes légiféré de se laver les deux mains avant de les plonger dans le récipient. Ça, c'est le hadith de Abi Huraira dans les deux sahih, lorsque le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا » Quand l'un d'entre vous se réveille, qu'il lave ses mains avant de les plonger dans le récipient, car il ne sait pas où ses mains ont passé la nuit. Ensuite, il dit thumma madmid, c'est-à-dire fais le madmada ou l'istinshaq ou l'istinthar, en exagérant sauf pour celui qui est jeûneur. Très bien. Ici, il dit en exagérant sauf pour celui qui n'est pas muftir. Effectivement, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam asbir al wudu wa khallil al-lihya bil asabi' wa balir fi al-istinshaq illa an takuna sa'ima. C'est-à-dire, fais les ablutions, aspire, c'est-à-dire, fais les ablutions correctement, avec méticulosité, si on peut le dire comme ça. Puis, passe tes doigts dans la barbe. Et enfin, exagère dans l'inspiration de l'eau par le nez, sauf si tu es jeûneur. Pour la raison que vous connaissez. Non. Ensuite, il dit, lave ton visage, puis... Là, après, lave tes deux mains et inclus dans le lavage tes deux coudes. Ta tête, essuie-la d'avant en arrière avec tes deux oreilles. Si tu trouves tes deux mains mouillées, on avait dit que l'essuyage des oreilles se fait avec la même eau à la condition que les mains sont encore mouillées. Si elles ont le temps séché, on reprend de l'eau, comme le dit ici Al-Hafidh. Il dit, or ou sinon, prends une eau nouvelle pour les deux oreilles. Puis lave tes deux pieds avec les chevilles. Passe tes doigts entre ta barbe et respecte la continuité. Et ceci est appuyé par les textes du législateur. Non, c'est-à-dire Allah et son prophète. Et ordonne le lavage comme cité dans le verset. Ordonne, c'est-à-dire fais-le de manière ordonnée comme cité dans le verset coranique. Et fais en sorte de commencer par la droite. Étends le lavage en frottant. C'est-à-dire lorsque je fais couler l'eau sur le membre, pour que l'eau atteigne tout le membre, il va falloir que je fasse un frottage, ce qu'on appelle delk. Non. Et élargis cette eau, ou élargis plutôt al-ghughra wa al-tahjil. Ah, je vais m'expliquer, inshallah. Al-ghughra wa al-tahjil, al-ghughra, c'est la trace, ce qu'on appelle l'um'atul bayda fi jabhatil faras. C'est-à-dire, c'est une trace blanche que l'on trouve sur le front du cheval. Al-ghughra. Wattahjil, c'est une trace blanche que l'on trouve sur les pattes du cheval. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, dans les deux sahihs, d'après la version de Abi Huraira, Inna ummati yuda'auna yawm al-qiyamati ghughran muhajjalina min athari al-wudu. Ma communauté sera ressuscitée le jour du jugement, ghughran muhajjalin. C'est-à-dire, avec cette ghughra, et ce tahjil, à cause des traces des ablutions. C'est-à-dire que les ablutions que la personne se sera efforcée de faire durant toute sa vie, il retrouvera cette blancheur le jour du jugement. Donc, sur la base de ceci, Abu Huraira a dit, فَمَنْ اِسْتَطَعَ أَنْ يُطِيلَ غُغْرَتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Celui qui est capable d'étendre ces traces-là, qu'il le fasse. C'est pour ça que Abu Huraira, lorsqu'il lavait ses bras, il montait jusqu'ici. Il a l'adoud. Non, on ne demande pas d'exagérer jusque-là. C'est un acte qu'il n'y a que lui qui faisait ça. Et d'ailleurs, quand il le faisait, il s'en cachait.
Il ne le montrait pas aux autres compagnons, pour ne pas diviser. C'était son avis. Ce qui est demandé, c'est de laver jusqu'ici. Donc, on comprend bien que quand on dit El Isbar, c'est-à-dire le fait de bien étendre l'eau, en fait, ça veut dire faire les ablutions correctement. Comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non? Donc, c'est de ça dont parle ici El Hafid El Hakami. Il a dit élargis ces traces-là. La trace de El Ghubra, c'est-à-dire lorsque tu te laves le visage, fais-le correctement. Et El Tahjil, c'est l'eau qui est sur les membres du corps. Non? Dans les ablutions. Ceci a été rapporté une fois ou deux fois, ainsi que trois fois, et tout ça par des textes que l'on peut réfuter. Ne dépasse pas trois fois dans le lavage, car ce n'est pas rapporté. Celui qui rajoute a transgressé et commis une injustice. Effectivement, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ja'ahu a'rabiyun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, fasa'alahu anil wudu, fa'arahu thalathan thalathan. Thumma qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, faman zada an thalika, فَقَدْ أَسَى وَتَعَدَّى وَظَلَمْ. Dans le quoi, hadith rapporté par l'imam Ahmed et autres et rendu bon par Cheikh Al-Albani. Un Arabi, un bédouin, est venu voir le prophète. Il lui a demandé comment faire les ablutions. Le prophète lui a montré en lui montrant trois fois. À chaque fois, il a lavé trois fois, sauf pour la tête. Il a fait une fois. Puis le prophète lui a dit quelque chose. Il lui a dit, voici les ablutions. Celui qui rajoute à ceci, c'est-à-dire celui qui rajoute dans la manière de faire ou dans le nombre, alors il aura mal fait, il aura transgressé, il aura commis une injustice. Quelqu'un, par exemple, qui, partant d'une bonne intention, veut faire 4 fois ou 5 fois. Celui-là a dépassé la limite. Il a transgressé. Donc, le maximum, c'est, barakallahu fikoum, 3 fois. Donc, c'est ce que dit ici Al-Hafid Al-Hakami. Il dit, ceci a été rapporté une fois, deux fois ou trois fois par des textes que l'on ne peut réfuter. Ne dépasse pas trois fois, car ce n'est pas rapporté. Celui qui rajoute a transgressé et commet une injustice. Vous voyez que tous les vers de poème qu'a cité Al-Hafid Al-Hakami, ils sont étayés et appuyés par des dalils. Ça, c'est la voix des gens du hadith. Non. On peut demander l'aide pour l'eau afin qu'autrui la verse sans problème. D'accord ? Quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes, il est blessé d'une main, par exemple, il peut demander l'aide de quelqu'un qui lui verse de l'eau, sans problème. Et quand il dit sans problème ici, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune divergence sur ça chez les saints. La quantité d'eau est d'un moud jusqu'à 2/3 de celui-ci et le gaspillage est réprimandé. Alors, ici, pratiquement le moud d'ici là qui est voulu, c'est pratiquement 1 demi-litre d'eau, un peu moins. 4 décilitres, un peu moins d'un demi-litre. Donc c'est ça qui est demandé pour les ablutions. Et c'est largement suffisant. Donc, toute personne qui gaspille l'eau rentre dans l'interdiction religieuse. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Wa la tubazir inna al-mubazirina kanu ikhwana al-shayatin. Et ne gaspillez pas, car les gaspilleurs sont les frères des démons. Allah n'aime pas le gaspillage, tabaraka wa ta'ala. Wa kulu wa shrabu wa la tusrifu, inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Puis, pour finir, l'imam al-Hafid al-Hakami, on va finir par ça, inshallah, tabaraka wa ta'ala, a dit, et quand il aura fini ses ablutions, tashahada, il fait tashahud. On va venir, je vais vous ramener le hadith, inshallah, tabarak wa ta'ala, mustaqbilan, en faisant face à la qibla, et il invoque Allah, parce qu'il a été rapporté. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin yatawadda'u, fa yuhsinul wudu'a, thumma yakul, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharikana, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Celui qui aura fait les ablutions de la meilleure des façons, puis qui aura dit je témoigne, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, je témoigne que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, lui seul, sans associé.
et que Mohammed est son envoyé et son serviteur, alors les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il rentrera par laquelle il veut. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى على هذا الكلام الجميل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علما